Salut à toutes et tous, c'est Antoine de Nexpitz. On est ici à Berlin pour le salon de l'IFA 2022. Et du coup, en marge du salon, il y a Lenovo qui a présenté deux nouvelles tablettes, les Lenovo Tab Tab 11 et le Lenovo Tab Tab 11 Pro. Et on a pu aller les découvrir et les prendre en main. Donc du coup, on vous propose dans cette vidéo nos premières impressions. Allez, c'est parti. Avec un écran de 11 pouces, la Lenovo Tab P11 Pro pèse 480 grammes et offre une bonne préhension. La dalle OLED de 120 Hz, elle est pensée pour consommer du contenu multimédia, mais avec l'ajout du stylet, ça rend la Lenovo P11 Pro aussi pertinente pour la bureautique et le multitâche. La tablette, elle tourne sous Android 12 et l'interface, elle est sympa, mais on n'a toujours pas d'intégration complète comme avec les thèmes dynamiques par exemple. Et en plus de ça, la P11 Pro, elle n'est pas encore adaptée à Android 12L pour les écrans plus grands, les tablettes notamment. Mais selon Lenovo, la mise à jour, elle serait dans les tiroirs. Soit dit en passant, les deux modèles recevront des mises à jour jusqu'à Android 14, donc vous aurez 2 ans de mise à jour garantie. Au niveau des performances, la Lenovo P11 Pro, elle embarque le processeur MediaTek 1300T, couplé à 128 ou 256Go de stockage, et 4, 6 ou 8Go de RAM. La batterie a quant à elle une capacité de 8000 mAh. Côté photo, la caméra avant et la caméra arrière ne nous ont pas vraiment impressionnés. C'est pas folichon, si vous utilisez cet appareil pour les appels vidéo, il faudra vraiment rester dans un environnement suffisamment éclairé pour éviter les bouillies de pixels à l'écran. Dans tous les cas, le modèle qu'on a le plus apprécié, c'est évidemment le modèle Pro, parce que la tablette elle propose le meilleur rapport qualité-prix de la gamme. Cette nouvelle génération de tablettes Lenovo elle est intéressante si vous avez un budget un peu serré et que vous voulez juste une tablette pour bosser, quoi. Sans prétention. Les Lenovo Tab P11 et P11 Pro elles seront disponibles à partir de septembre prochain en France au prix de 299,99€. Voilà pour cette prise en main des tablettes Lenovo Tab 11 et Lenovo Tab 11 Pro. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous l'avez fait. N'hésitez pas non plus à nous poser des questions ou donner votre avis sur les tablettes de Lenovo dans les commentaires. Pensez aussi à faire un tour sur notre site nexpitz.fr pour en savoir plus sur les produits. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu.